Salut à tous, c'est Musicbox accompagné de... C'est moi, Batman. Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons un petit pistoclou pour seulement 14,99€. C'est un excellent fait-tout, le pistoclou. Il recolle votre parquet, il recolle... Petite démonstration du pistoclou. Wow. Ah mais le tien il est carrément dispersé. Donc ouais, oui, en fait le pistoclou, la nouvelle arme que nous avons récupérée. Changer le bout. Le pistoclou, il fait tout, même le pistou. C'est chacun le sien. Autant pour moi. Ouais. Ah bah maintenant t'es parti de l'autre côté toi. Tournons. Attention, on va se prendre dans le truc dans la gueule. Et ça tourne. Ouais mais non mais regarde, on retire le truc. On avance enfin. Wow 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 wow. Arrière. Oh, pas sur moi. J'avais Blade. Putain, y'a des monstres. Ça me suit. Bordel, je vais crever. Mais lâchez-moi, bande de... Hey, c'est vous le mécanicien. À vous de jouer. Je suis ingénieur, moi. Pas mineur. Bon, trouvez l'interrupteur. Moi non plus, je suis pas mineur, j'ai 23 ans. Oh putain! Aïe! Mais casse-toi! Mais cassez-vous! Je veux vivre! Maman, je t'aimais! Je t'aimais, je t'aime, je t'aimerais. Pistoclou! Il fait tout! Et on va mourir, Bat! Non! Bat ne meurt jamais! Dégagez! Parce que j'ai pas de bras! Ah. On peut passer derrière, je pense. Et merde. En fait, pourquoi il y a des recharges de stase? Me dis pas qu'il faut qu'on utilise notre stase pour arrêter le truc. En fait, on est un peu autiste hein, quand on s'y met. Merde, arrière! Arrière! Tirez-vous de là! Dégagez la voie! Sans blague! Je pense qu'il faut passer derrière la fosse. Et après. Hé, hey, c'est vous le mécanicien. À vous de jouer. Je suis ingénieur, moi. Pas mineur. Bon, trouvez l'interrupteur. Mais c'est quoi ce bordel? Il y a un interrupteur. On va tous mourir. Ah mais... Lâchez-moi. Bat, arrête-le, je me fais... Merci. Bon pastas. Mais y'a trop de mobs qui pop, merde. Mais il n'y a pas d'interrupteur, ça. Mais où? Faut peut-être réutiliser les trucs, là, non? Sûrement. Je veux pas d'interrupteur, moi. Ah, il faut péter la lampe, il faut péter la lampe qu'il y a dedans. Non? Bah, peut-être, hein. Jambon. Mais pourquoi ça a fait ça? Oh, ce truc de ouf, les gens. En fait, faut être au bon endroit et tirer au bon moment. Arrière! Tirez-vous de là! C'est pas sorti encore le truc. Casse-toi! Et après? Hé, hey, c'est vous le mécanicien! À vous de jouer! Je suis ingénieur, moi! Pas mineur! Bon. Trouvez l'interrupteur. Mais c'est quoi ce bordel? Merci, tu c'est l'as bon, arrêté on peut tirer dedans. Ah putain. Mais lâchez-moi.
putain, il a pris toute la stase. En plus, on est en difficile, les amis. On vous raconte pas le bordel. Mais on peut pas gérer, il y a trop de trucs là. Ça y est. Erreur détectée. Capacité foreuse à 75%. Reprise des opérations dans 5, 4, 3, 2, 1. Alerte, évacuez le pont. J'aime pas ça. Ah, ah. Trop de mobs, trop de mobs. Ah, faut les répéter les trucs. Disons que ça a l'air sacrément hardcore. Capacité foreuse à 50%. D'accord, il faut faire ça encore deux fois et puis... Reprise des opérations dans 5, 4, 3, 2, 1. Alerte, évacuez le pont. Oh non! Elle m'est retombée dessus! J'étais en train de chercher un kit de soins. Franchement hardcore. Ouais, là c'est... Attends, deux secondes s'il te plaît. Je mets... J'ai pas lancé mon chrono et du coup... Je crois qu'il y a eu une sauvegarde entre temps. C'est fort possible, mais... Évacuation. Évacuation. Ah, c'est des petits... Ah ouais, c'est des petits... Ah oui, il y a une sauvegarde, effectivement. Erreur fatale détectée. Extinction de tous les systèmes. Ouh. Chaud. J'ai plus de stuff. Ouais. J'ai plus de kit. Putain de planète. Allez, on se tire d'ici. T'as plus du tout de kit ? Je vais aller en chercher, il est établi là. Ok, Ellie. Ouais. On se dirige vers l'entrepôt. Est-ce que tout va bien ? Entre cette planète qui veut notre peau et ton mec qui me déteste, je crois qu'on peut parler d'un voyage Robert réussi. Robert est pas toujours comme ça. Je sais pas pourquoi... Laisse-nous régler ça, d'accord ? En vrai gentleman, à l'ancienne. T'as trouvé l'expérience ? Oui. Et ? Il faut que tu vois ça. Super. Jamais j'irai dans une mine, hein. T'as pas bonne mine. Mais que vois-je? Un ascenseur? Un vrai de vrai? Non. Ah mais c'est pas un ascenseur, c'est une... Un sas. C'est un sas. Il nous faut un vrai ascenseur, Bat. Oui. Pas mon charge. Pour notre petite blague. Bah, il s'active pas. Voilà. Non, c'est un petit plaisir. Attends, mais vas-y, avant de comprendre ce qu'il faut faire avec la foreuse, quoi. Alors toi t'as des vraies barres de vie où tu vois bien les trucs droits et tout ça, et moi je vois, regarde, moi c'est tout de travers et je trouve ça super relou. Je trouve la tienne plus stylée en fait. Mais elle est soi-disant plus stylée, mais moi j'aime pas les trucs de travers parce que je trouve ça du coup très difficile à distinguer des fois quand il t'en manque ou pas. On est venu ici déjà. Possible. Ah, kit de soin. Mission.
Ah, il y avait un artefact ici. Alors, journal personnel, Edmund Varley. Notre équipe de forage a enfin atteint les coordonnées indiquées par le docteur Serrano. Avec cette année blizzard, nous avons dû organiser le MU-90 en chaîne pour ne pas nous perdre. On y a passé la journée à se demander si on rentrerait enfin au chaud un jour. La tempête a fini par se lever et nous les avons vus. On aurait dit des dieux se dressant devant l'Olympe. Sans m'en rendre compte, je suis tombé à genoux et je me suis fait dessus. Comme rabaissé à mon insignifiante existence. Ouais, j'ai déjà vu tout ça. Ah oui, putain, j'avais oublié de les reposer du coup. On aurait dû les mettre dans la foreuse. Bah oui. Eh, on peut frapper avec. On fait la course de petits robots. Tududududu. Tu viens? Bon, j'aimerais bien avoir un endroit assez fermé pour pouvoir utiliser mon lance-clou. Assez proprement. Tu demandais? Leur clouer le bec. Isaac, vous voilà. Nous sommes au niveau d'observation. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Rien de bon, si vous voulez mon avis. Magnifique, n'est-ce pas? Les chercheurs l'appelaient le Nexus. Selon eux, les plus gros spécimens canalisaient le signal de la machine et le diffusaient aux plus petits. Et ça va nous aider? Oui. Je pense qu'ils ont dû trouver la machine en remontant à la source grâce au point névralgique de la créature. Attendez, on est censé entrer là-dedans? Oui. C'est vraiment une chance incroyable. Une chance incroyable. Cette saloperie est congelée. Comment on entre? Ils utilisaient un circuit thermique. Je vais tenter de l'allumer. Jean-Vif. Ça donne rien. Il va y avoir une chaufferie sur le toit. Je vais essayer de la trouver et de la remettre en marche. Isaac, sois prudent, d'accord? Ouais, n'allez pas vous blesser. Mais même si t'es prudent, il y a tout qui va te tomber sur la gueule de toute façon. En fait, j'ai envie de faire une énorme blague, mais je suis obligé d'attendre que tout s'effondre, sinon ça n'aura pas de sens. Oui. En fait, j'ai envie de la faire maintenant parce que je sais pas si ça va s'effondrer. Mais il faut que les gens ils aient bien entendu comment s'appelait cet endroit en fait, c'est pour ça. Le comment déjà? Le Nexus. Non, vieille blague. Tu sais la blague que je veux faire maintenant? Oh, j'ai une petite idée. Alors, okay. On doit rentrer là-dedans en fait, c'est ça? Ouais. Attends, il y a un truc en haut, est-ce qu'on peut monter là-haut? Il y avait pas d'échelle ou quoi? Il y a un harpon de machin à l'étage, mais surtout des machins là. Je sais pas si on peut les utiliser. Non, pas pour l'instant, il faut aller activer des trucs à la chaufferie, je pense. Ils deviendront bleus après. Ah, mais j'hésite à faire ma blague en fait, vraiment. Ah, tu le feras après. T'es sûr qu'on y est toujours ici? Faut que je ça s'effondre. Docteur Earl Serrano. Le projet Nexus est vraiment incroyable. Nous avons trouvé deux spécimens intacts et les équipes travaillent jour et nuit pour les déterrer. Nous apprenons tant sur la façon dont les nécromorphes communiquent. Toute l'espèce est connectée par te veux dire bonjour. Télépathique, de la fourmi rose au plus grand spécimen. Mais d'où peut bien venir ce signal? C'est ce que je compte découvrir. Kikou. Nouvelle tenue. Nouvelle tenue débloquée? C'est sérieux? Il est marqué, ouais. Bon, je te laisse l'honneur de tester en premier. Honneur aux musiques, comme d'habitude. Tenue d'archéologue. Il y a un bonus avec la tenue d'archéologue ou... Ah, mais voilà, moi enfin j'ai aussi mes petites loupiottes sur la tronche et tout. Non, je crois pas qu'il y ait de bonus en fait. Est-ce que tu as un chapeau ou un fouet pour faire ton archéologue? De quoi? Un petit chapeau, un petit fouet, tu vois. Non, mais par contre, ça y est, j'ai enfin les loupiottes comme toi.
Oh non, j'ai plus assez de semi-conducteurs maintenant pour améliorer l'armure comme je suis deg. Je vais essayer la mienne. Parce que du coup là j'ai la même tenue que toi à peu près. Ouais en fait j'ai la même tenue que toi maintenant mais toi c'est la tenue arctique chez toi. Ouais. Ça a l'air d'être violent le changement de tenue dans la machine hein. Je sais pas ce qui se passe mais ça doit brûler le zboob un peu hein. Du coup j'ai plus mes petites loupiottes. Mais c'est pas grave. Ah du coup c'est toi qui as la tenue moche maintenant. Piii. Oh il me manque deux tungstènes pour terminer l'amélioration de vie. Je suis deg. Trop dégoûté. Je peux pas oui. T'abonner. Non je m'en fous. Bon tu viens. J'arrive. Ah, on aurait eu le temps en plus. Ouais, prochain. Les gens ne savent absolument pas ce qu'on a en tête en fait. On raconte des trucs, ils savent pas du tout de quoi on parle. Oh! On va bientôt revoir l'araignée. Araignée du soir, espoir, comme on dit. Ouais. Tiens donc, là ils mettent des batteries comme ça gratos. Apparemment faut monter, donc on va aller voir tout droit. Couvre-moi toi, c'est moi que je porte les trucs sur moi. J'ai tiré et puis voilà quoi. Hey, il fait du cloche-pat. Pas du cloche-pied. T'as pas vu? Non, oui, il se pète la gueule, mais lui il a fait du cloche-pied carrément. Il y a un bâtiment d'ouvert là-bas. Peut-être moyen de faire le tour aussi là. Ouais, y'a rien. Est-ce qu'on explore déjà en fait? Ouais. Et on emmène la batterie après? De toute façon, faut monter. Ouais, faut monter. Non, mais y'a un truc ouvert ici. Eh, hey, je viens de trouver le générateur. Bon, j'ai plus qu'à y accéder. Bien sûr. Ah, en gros, faut que tu mettes la batterie par la fenêtre. C'est là que t'es content d'avoir amélioré la portée de ton truc. De télékinésie. Oh, t'aurais pu le tirer aussi. Non. Allez, joue aux fléchettes. Oh, elle a rebondi. Est-ce qu'il faut vraiment faire comme ça? Bah, on peut pas faire autrement, hein. Ah, t'es pas visé, Bat. C'est vraiment pas visé, Bat. Je mets toujours quelques gouttes à côté. Oh là là, elle est partie à l'autre bout du truc. Mais c'est impossible de la rentrer comme ça. Attends, pousse ça. C'est impossible! Je me demande si c'est comme ça, hein. Bah, tu veux faire comment autrement?
es en mon pouvoir. Ah, attends, il fallait peut-être la rentrer par là et monter et faire le tour. Parce que je vois une échelle qui descend dans le truc. Par contre, ça a l'air dangereux ici, je sais pas pourquoi, mais... Merde. C'est la merguez. Bon. Fais gaffe. Mika Charognard de retour. Hey. Ouais, c'était bien ça, il fallait faire. Putain, nous on s'amuse à faire n'importe quoi. J'arrive pas à mettre le... Tu peux te décaler parce que je peux pas descendre en fait. J'arrive pas à mettre le bout dans le trou, Bat. Attends. Je trouve pas le trou, Bat. Non, tu veux un GPS ? Oh putain ! Est-ce que tu crois qu'ils font utilisation intelligente des kits de soins ? Ou tu utilises un gros kit de soins quand t'as pas besoin d'utiliser un gros kit de soins ? Je sais pas. Je crois qu'il faut qu'on... Ouh, du gel! Il y a du gel partout! Il y a un truc à faire, mais je sais pas quoi. Apparemment, ils nous disent de remonter. Parce que là, c'est activé, peut-être qu'il faut remonter. Bah, vu qu'on a activé le courant, on a peut-être accès à une nouvelle salle, je sais pas. Ouais, peut-être. Ouais, faut qu'on revienne, si on en a pas. Mais c'est con, ça a pas ouvert la porte depuis tout à l'heure là. Ça va arriver dans notre dos. Eh, j'ai un A comme jeune conducteur dans mon dos. Ça reflète bien la réalité. Hein. C'est vrai. Je suis dans le même cas au passage. Bon. Ça y est, il est arrivé ? Non, je sais demain. Tu sais demain ? Ouais. Ah bah, là maintenant cette porte est ouverte mais... En fait on est con, on est remonté. En fait on est remonté, Bat, alors qu'on pouvait utiliser la porte hein. Bravo. Pas bouger. Prends les objets quand même au passage. Au cas où. Cas où ? Oui, comme l'instrument de musique. Youp. Isaac, est-ce que tout va bien ? Ouais. Hey, merci de supporter Robert. Il n'est pas vraiment lui-même. Ah, Norton ne m'aime pas beaucoup, pour plusieurs raisons. Mais vous avez besoin de moi, je suis là pour ça. Ça et... En fait, je pensais Ellie, que toi et moi... C'est Isaac ? Bien, bravo. J'espère que je ne dérange pas. Ah, il appelait seulement pour me parler de la chaufferie. Il vient de terminer. Isaac, on se voit plus tard. Biatch. Effectivement, il parlait de la chaufferie, il allait parler de la plomberie très très bientôt, mais... Oui, les tuyaux. Il y a des interrupteurs un peu partout, là. On peut pas... Okay. Alors... Il parlait de chaufferie, en parlant de chaudière, ah. Du coup, on a ouvert ça. En parlant de grosse chaudière... Ah ouais, très chaude, hein. Ça fait bien son travail. Bon, il y a un conduit, là. Ouais, mais c'est bon, il y a une porte qui s'ouvre, ici.
Pas comme si... Bah il y a un message aussi ici, là. 36 personnes viennent de sursauter sur leur chaise. Le circuit thermique est alimenté, mais le spécimen ne dégèle pas. Le mécanisme... Oh, encore heureux. Ouais, c'est à cause du givre. Je dois pouvoir arranger ça en réglant la pression dans les tuyaux. J'y vais. Attends, j'ai rêvé ou j'ai vu bouger le machin, là? Je sais pas, mais il faut augmenter la pression. Attends, y'a des problèmes avec la pression. Là. Ah, est-ce qu'il faut pas utiliser la stase peut-être? Pas un truc avec de la stase? Faut activer les 4 machins en même temps? Possible. Regarde, j'active le premier. J'active le premier aussi. Je le stase. Ça ne marche pas. Active le deuxième tout de suite. A mon avis, faut qu'on active les deux du même côté en même temps. Non, moi j'ai activé les deux de mon côté et toi les deux de ton côté, non? Et après, il faut continuer à tourner. Tu lâches et tu continues à tourner. Vas-y, pour comprendre le truc. Ouais, faut alterner, je crois. Faut augmenter la pression, c'est ça? Ouais. Ah, peut-être qu'il faut faire compression piston d'un côté et de l'autre, en fait. Tu mets le piston à gauche, le piston à droite. Ah, j'ai l'impression que la pression augmente, là. Ouais. Regarde. Il y a un indicateur, là. Ouais, la pression augmente. On est bientôt à 100%, là. Ça va péter, Bat, ça va péter! Wow! Ça a dû marcher! Oui, la température augmente à l'intérieur. Et attendez, j'ai encore mieux. C'est-à-dire? Montez à la salle d'observation. Je vous dirai en route. Les nécromorphes transmettent les signaux des monolithes. Donc, les chercheurs ont développé un détecteur de signaux afin de trouver la machine. Où est ce détecteur? Il doit être détruit. Mais j'ai trouvé des schémas pour en fabriquer un autre. Je devine la suite. En fait, c'est chiant de devoir se taire pendant les dialogues parce que des fois, j'aimerais bien sortir des grosses conneries. Oh. Genre, elle fait « Attendez, j'ai encore mieux. Quoi? Tes boobs en vidéocam ?» Quoi? Tes couilles sur mon front? Ah, ah, j'ai pas mal de tungstène. Je suis content. Moi, je vais le garder pour l'armure. Qu'est-ce qu'on a récupéré de spécial? J'ai même plus trop fait gaffe. Circuit. Ah oui, des circuits. Il y a partout. Un ascenseur. Il est rapide apparemment. Quoi? Bah viens voir. Attends, j'arrive. Y'a pas de mots pour ça. Ah, c'est handicapé. Il va être l'heure de nous laisser, Bat. Oh, il va être l'heure de c'est laisser nos chers viewers. Regardez mes superbes lanternes. C'est magnifique. Oui. Bon, les petits amis, on s'en va. Non, on se laisse là plutôt. Nous on s'en va pas, nous on reste ici. On continue. On est bien. Oui, viens, on est bien, bien. À côté d'un... Abonne-toi à ma chaîne. Voilà, si vous me découvrez sur cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas le petit pouce vert comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Le commentaire si vous voulez, si vous avez des choses intéressantes à dire. Ou pas d'ailleurs, hein. Le meilleur c'est quand c'est des choses pas intéressantes en fait. Ou des choses très très débiles. On aime ça. Hein, Bat? Oui. Oui, débile. Le pouce vert dans le mur. N'importe quoi. Bon. Bon, bref.
Je ne sais pas quoi dire face à ce que tu viens de nous montrer et de nous dire à l'instant même. C'était pitoyable. Au revoir les chers amis, à la prochaine. Salut.